Hello everyone. Welcome to our Bonjour session à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue sur cette session sur les systèmes alimentaires et la transformation de ces derniers pour la transformation des gens. Merci d'être avec nous. Nous avons beaucoup d'orateurs incroyables et des études de cas à venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler toutes et tous que nous sommes en pleine urgence humanitaire. Nos systèmes alimentaires et climatiques sont en péril. La nature l'est également. L'humanité est en train de mettre en péril la capacité de la nature à nous soutenir et à soutenir notre résilience au changement climatique et aux pandémies. Nous compromettons également la stabilité de la planète pour nous offrir de la nourriture saine. La nourriture que nous mangeons et la manière dont elle est transformée engendre de la perte de biodiversité avec la pêche notamment. Et 68% de la vie sauvage depuis 1970 en moyenne a disparu. Ces 20 dernières années, quasiment 100 millions d'hectares de forêts ont été perdus. Nous sommes en train de convertir d'énormes portions de la nature pour faire de l'espace à la production alimentaire. C'est la cause de 80% de la déforestation partout dans le monde. Lorsque l'on perd de la biodiversité, on perd des espèces, on perd des espaces qui sont des alliés dans nos efforts pour combattre la crise climatique. À vrai dire, la forêt régule les températures et nous offre notre oxygène, 29% des gaz à effet de serre plutôt, engendrés par la déforestation. Et les émissions de nourriture qui est gâtée et qui n'est pas mangée. Dans les zones où on produit de la nourriture à l'heure actuelle, on a de plus en plus de jours chauds et des vagues de chaleur et de sécheresse qui vont réduire l'apport alimentaire, mais également les cultures. Et cela va compromettre les systèmes alimentaires. Le changement climatique va réduire non seulement le volume de nourriture produite, mais également la qualité alimentaire, puisque cela va détruire la densité des nutriments dans notre nourriture. Pour le climat, pour les gens, pour la nature, nous devons changer et transformer nos systèmes alimentaires, pas uniquement pour minimiser leur impact négatif, mais nous devons au contraire libérer le potentiel des systèmes alimentaires pour soutenir un monde net zéro et positif. Il y a des manières de produire la nourriture en harmonie avec la nature et promouvoir et pouvoir cultiver de la nourriture saine pour tout le monde. L'agroécologie et l'agriculture régénérative et l'agrobiodiversité vont soutenir des systèmes divers dans le monde entier, restaurer la santé des sols et la capacité de capter le carbone. Plutôt que d'extraire de la nature et d'exploiter la nature, il est possible de produire de la nourriture avec la nature pour les populations. Nous allons avoir besoin de manger un régime alimentaire plus basé sur les plantes. Et si on arrive à améliorer la distribution, l'accès et le côté abordable de la nourriture, nous pourrons trouver assez de nourriture pour nourrir toute la planète. Les objectifs en matière environnementaux et alimentaires doivent requérir que nous concentrions sur trois éléments. Tout d'abord, nous devons protéger les écosystèmes de la dégradation. Deuxièmement, nous devons travailler d'arrache-pied afin que la production existante, l'utilisation des terres et de l'eau soit bien gérée. Et ensuite, nous devons restaurer et réhabiliter les écosystèmes et la santé des sols. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 solutions qui nous aideront dans notre stratégie. Nous allons regarder comment l'agro-industrie, l'agroalimentaire peut soutenir notre transformation, comment nous pouvons transformer
la chaîne d'approvisionnement pour éviter la déforestation. Et ensuite, nous verrons comment la santé du sol peut être restaurée dans certaines zones. Le rôle de l'innovation pour les peuples, la nature et le climat. Et ensuite, nous verrons comment toutes ces solutions sont en mesure de transformer les paysages pour les peuples et pour la nature ensemble. Nous avons juste 9 harvests left in the UN Decade of Action. That's just 9 more chances to change how we produce food. Nous devons changer la manière dont nous produisons de la nourriture. Mais cette année, avec le sommet sur les systèmes alimentaires et la COP, nous avons une opportunité de saisir cette opportunité et de changer les choses. J'espère que nous la saisirons. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Christian Mann et je travaille pour la Just Rural Initiative. Ça a été créé en 2019 au cours d'un sommet à l'ONU qui réunissait des entreprises, des agriculteurs et des gouvernements pour parler des défis agricoles. Le développement basé sur la nature est important. Nous pensons que les politiques basées sur la nature marchent mieux lorsqu'elles sont en lien avec les besoins de ceux qui vivent avec la nature. Just Rural Transition vise à améliorer le soutien public au secteur alimentaire. Des millions de dollars sont dépensés par tous les gouvernements pour l'agriculture. Cependant, 10% uniquement de ces montants vont vers l'environnement, la protection de la nature et les objectifs du développement durable. Et nous voulons changer cela. Nous voulons que les financements ils arrivent plus facilement aux pratiques vertueuses. La Banque mondiale, Just Rural Transition et l'ONU ont travaillé sur un soutien et un plaidoyer pour un agenda politique agricole vert. Cet agenda il vise à remontrer aux différents acteurs comment on peut reconcentrer et fédérer autour de ce sujet. Et maintenant, nous allons écouter Monsieur Marco Vesanchez, qui travaille à la FAO. 111 millions de personnes ont faim en 2020. Et de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à un régime alimentaire sain. Nous remettons en question la nature et la nature nous remet en question. Nous avons besoin d'alimentation qui soit adaptée à nos besoins. Nous avons besoin également de soutenir les agriculteurs. Un rapport a été publié par la FAO, le PNUD et le PNU sur l'état des financements et des soutiens pour les agriculteurs. C'est une vraie source d'inspiration pour nos discussions. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour soutenir les agriculteurs. 87% de son montant sont surtout dirigés vers des politiques mercantiles. The most emission-intensive commodities, such as beef, milk, and rice, or healthy ones like sugar, receive the most support. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les cultures les plus classiques, le riz, le maïs, etc., le sucre, reçoivent le plus de subventions. Ces montants pourraient être redirigés pour des meilleures pratiques, un meilleur environnement, et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous avons besoin de donner plus d'aide aux agriculteurs, notamment en matière de R&D, d'infrastructure. Even if this is the least distorting form of support and provides the highest medium to long-term returns. Et ce sera ainsi qu'on aura un retour sur investissement. Are still prevalent in high and middle income countries, while in low-income countries,
dans les pays tels que l'Afrique subsaharienne. Les soutiens ne sont pas suffisants. Les agriculteurs sont pénalisés par des prix trop bas. Par conséquent, il s'agit d'un problème mondial. Mais la solution, elles existent. Nous devons reconfigurer le soutien pour promouvoir des pratiques intelligentes et respectueuses de l'environnement, pour nourrir une population avec une alimentation plus nutritive et ne marginaliser personne. Ça ne sera pas facile. Il n'y a pas de solution universelle. Chaque pays a besoin de personnaliser et de d'adapter ces systèmes. Je vous invite à lire ce rapport et à prendre des notes sur ce guide en sept étapes. J'espère que vous allez pouvoir nous aider sur cela. Our next speaker is Dr. Shengen Fan. Notre prochain orateur est Christian Mann, qui va parler de la voie 3 du système. Ou Dr. Fan plutôt va parler des subventions et de la nécessité d'avoir des subventions agricoles reconçues pour le bien-être de tous. Bonjour, je suis Monsieur Shengen Fan. Nous dépensons des montants fous pour subventionner l'agriculture, pour utiliser plus d'eau, plus de terre, pour produire de la nourriture. Ces subventions, elles ne sont pas durables. Elles ne produisent pas assez de nourriture nutritive. Ces subventions, elles doivent être transformer, rediriger. En Chine, nous savons que nous avons la solution. La Chine dépense plus de 2 000 milliards de dollars en subventions agricoles. Et un rapport a été publié. Sur les bases des analyses, des données, nous proposons 7 transitions stratégiques. La première, rediriger les subventions agricoles en Chine pour promouvoir de la nourriture, la production alimentaire saine, nutritive, pour économiser de l'eau, de la terre et aider à l'atténuation du changement climatique. Donc, notre stratégie dans le secteur agricole est de rediriger ces subventions pour atteindre d'autres objectifs. La deuxième stratégie, c'est de promouvoir la résilience, l'atténuation, l'adaptation et les revenus. Ainsi, nous voulons utiliser la technologie et ces technologies devront être soutenues par le gouvernement, en particulier en redirigeant les subventions. Troisièmement, nous voulons investir dans de nouvelles infrastructures. Les infrastructures anciennes sont des irrigations, des routes. C'est toujours important, mais à l'heure actuelle, le e-commerce, les plateformes Internet, ce sont cela, les nouvelles infrastructures, et nous devons investir pour nous assurer que la petite production peut être liée aux marchés mondiaux. Il faut promouvoir des changements institutionnels. L'agriculture fait partie du mandat du ministère de l'Agriculture, mais également du ministère de la Santé, l'Environnement, la Finance. Le ressort d'autres ministères, mais nous devons fédérer, nous devons réunir ces différents acteurs pour ramener la transformation des systèmes alimentaires au cœur de nos actions. Numéro 5, nous voulons respecter la nature. Nous avons appris les leçons de la COVID-19 ou d'autres maladies zoonotiques
il y a l'intensification de notre production alimentaire, ce qui met en péril la nature. Et la nature s'en est rendue compte et s'est mise en colère. Nous devons mieux protéger la nature. Et nous devons mettre sur le marché des fruits, des légumes sains, nutritifs, pour s'assurer qu'il n'y a plus une seule maladie qui se transmette de l'animal à l'homme. Et enfin, il faut changer les comportements. Nous devons travailler pour notre planète afin que les consommateurs soient sensibilisés et mangent de la nourriture durable et nutritive. Nous devons changer le monde, mais pour cela, nous devons changer nous-mêmes. Prochaine oratrice, Victoria Prentice, ministère au Royaume-Uni pour la pêche, l'environnement. Elle va parler du soutien et des subventions. Je suis ministère de l'agriculture et de la pêche. J'adore parler de l'agriculture et je suis ravie de voir que la campagne de la COP26 se concentre tout particulièrement sur l'agriculture durable. Ces dernières années, nous avons vu une production alimentaire qui a beaucoup augmenté. Il y a des coûts liés à ce succès. Et on voit d'ailleurs les impacts de cette intensification dans le changement climatique. Des montants significatifs sont investis par les gouvernements partout dans le monde dans l'agriculture. En Royaume-Uni, nous passons d'une subvention basée sur la terre pour maintenant donner de l'argent public pour des biens publics. C'est un défi, mais cela sera bénéfique en matière de biodiversité, mais également en matière de capture carbone. Et enfin, Ariana Giuliodori, secrétaire générale, qui va nous parler des politiques agricoles. Bonjour, je travaille pour l'organisation World Farmers Organization, une association qui représente 1,5 milliard d'agriculteurs partout dans le monde. Notre mission est de faire entendre la voix indépendante et authentique de celles et ceux qui produisent de la nourriture partout dans le monde, où que ce soit qu'il y a des discussions, il y a différents éléments à prendre en compte, notamment la rémunération des agriculteurs, l'aspect nutritif de l'alimentation. Il faut discuter des subventions et de la redirection de ces subventions. Et il faut rediriger ces subventions en remettant les agriculteurs au cœur de ces discussions. Comment ? Tout d'abord, en reconnaissant les agriculteurs pour leur identité. Les agriculteurs sont des gens, ils ont une famille, font partie de communautés, mais ce sont également des acteurs économiques. En plus de cela, ils offrent des services écosystémiques précieux. Ce sont des agripreneurs. Et ils ont des responsabilités sur leurs épaules. Deuxièmement, il est important d'écouter les besoins des agriculteurs, de les consulter sur les défis auxquels ils sont confrontés, leurs attentes et leurs aspirations pour l'avenir. Il est également important d'alimenter la réflexion politique avec des données collectées dans ces consultations. Troisièmement, il faut écouter, certes, mais ça n'est pas suffisant. Il est essentiel d'accueillir les solutions développées par les agriculteurs. Ces solutions sont pragmatique, orienté vers l'action et connecté à des business models, des modèles économiques et de nouvelles pratiques et techniques. Et enfin, cela ne signifie pas que les agriculteurs ont toutes les solutions, tout au contraire, il est essentiel d'avoir une approche holistique où les agriculteurs co-conçoivent, co-construisent des solutions avec d'autres acteurs qui font partie de ce système et les hommes et les femmes, les dirigeants politiques. Parce que clairement, les décisions et les actions doivent être logiques pour les agriculteurs, surtout pour les plus vulnérables. Les solutions
doivent être à la hauteur des attentes de la société et doivent être en ligne avec les limites de notre planète. Merci beaucoup. Despite heightened awareness of the importance of forests as nature-based solutions and a raft of commitments from public and private sector, le secteur public et le secteur privé doivent s'engager. Les écosystèmes naturels tels que les zones humides sont en train de disparaître. Il est clair que les responsabilités sont sur les épaules de certains, la déforestation, l'expansion agricole, etc. sont les coupables. L'expansion des matières premières telles que l'huile de palme, le soja, le bois, cacao. Si on ne protège pas ces écosystèmes, nous ne pourrons pas garantir la santé humaine et de la planète. La déforestation, ou plutôt la reforestation et la refonte des chaînes d'approvisionnement sont essentielles si on veut atteindre nos objectifs. Nous avons tous un rôle et un devoir, mais il y a souvent ces devoirs qui sont and implementation and aspirations. Mise à mal par les besoins mercantiles. Il y a un fossé entre les engagements et les actions. Le WWF a publié un rapport très récemment sur la déforestation. Deforestation and conversion of natural ecosystems are continuing at alarming rates around the world. And despite many businesses having stepped up about 10 years ago and making commitments around eliminating deforestation and conversion from their supply chains, that hasn't happened. There's still a huge gap between aspirations and commitments. To step up and to raise their ambitions, to implement those ambitions, and to advocate for integrated approaches where supply chain work that they're doing is nested within appropriate policy and legislative and trade frameworks. It's clear that governments, the private sector and financial institutions have a very important role. Les institutions, les gouvernements et les agriculteurs ont un rôle à jouer pour montrer le leadership, pour changer la donne en matière de déforestation. Maintenant, je vais vous parler avec cette prochaine vidéo du cadre accountability, le cadre de reddition de comptes. Avec différents cadres, normes pour établir et suivre les chaînes d'approvisionnement dans les différents secteurs. Et ensuite, nous allons donner la parole à Anna Turrell, qui est à la tête du département environnement chez Tesco. Elle parlera des défis en matière de déforestation et de chaînes d'approvisionnement. For global supply chains to prosper into the future, communities and ecosystems must also thrive. Companies worldwide have committed to finding this balance in their agricultural and forestry supply chains. But how do we move from commitments to results? Without a good map of the territory, the path forward isn't clear. This can lead to uncertainty, inaction, and risk. And without common measures of progress, it's difficult to know how far anyone has advanced. As a result, deforestation, conversion of ecosystems, and human rights violations persist. Hearing the calls for a clear and common roadmap, the Accountability Framework Initiative, AFI, was born. Arising from collective experience and collaboration,
The AFI guides companies on the journey to set commitments, take action, demonstrate progress, and contribute to broader positive impacts beyond supply chains. The AFI defines a clear framework for action, offering common principles and guidance to help companies mitigate risk, manage supply chains to meet commitments, drive continuous improvement across commodities and regions, and communicate progress to customers and stakeholders. We're heading into a new era of responsibility, where successful business means that people and nature also thrive. Let's take the journey together. The Accountability Framework, delivering on ethical supply chain commitments. Private sector action is critical to achieving deforestation and conversion. L'action est essentielle si on veut arriver no à une chaîne d'approvisionnement alimentaire sans déforestation et conversion. Nous avons besoin d'avoir ces discussions. En tant qu'entreprise, nous avons un engagement pour réduire la conversion et la déforestation. Nous avons beaucoup appris chez Tesco, mais nous n'avons pas toutes les réponses. La déforestation et la conversion, c'est extrêmement complexe. En tant qu'entreprise, nous reposons sur le gouvernement et la société civile pour nous donner des solutions qui vont au-delà de notre chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que nous avons des législations en matière de due diligence pour augmenter le niveau d'exigence à tous les niveaux du secteur avec des engagements ambitieux. C'est essentiel. Et nous devons également rapporter sur nos progrès et qu'il y ait une réduction de contenus. En tant qu'entreprise, nous devons continuer à montrer que nous faisons des efforts, même si parfois on ne va pas aussi loin qu'on aimerait. Nos engagements et nos objectifs doivent être en ligne avec les engagements, y compris les DCF et les FAI, des mécanismes qui permettent la transparence et la reddition de comptes à tout niveau de la chaîne d'approvisionnement. Chez Tesco, nous avons appris de la part de nos fournisseurs que nous avons besoin de les aider. Ils ont besoin de nous. Ça veut dire qu'on doit les aider avec des outils, du temps pour les soutenir afin de faire du renforcement des capacités pour atteindre nos objectifs communs. Cela prend du temps. On s'est rendu compte que pour être efficace, on devait augmenter nos objectifs dans le temps. On ne peut pas tout faire d'un coup. Et nos fournisseurs non plus, d'ailleurs, ni leurs fournisseurs. Notre plan de transition date d'il y a 5 ans et on continue à travailler vers nos objectifs 2025, notamment sur le soja, puisque nous engageons à une pas engranger la déforestation. Nous continuons à travailler sur ces sujets avec une action collective parce que ces problèmes systémiques requièrent une réponse systémique. C'est la raison pour laquelle l'Office pour le Sahara Manifesto a été créé et notamment également pour la transparence de la coalition du soja. Nous sommes très engagés. Je suis particulièrement excitée de voir le travail que nous faisons dans le cadre du CGF sur la coalition pour une approche au paysage pour protéger les forêts, les écosystèmes et les milieux de subsistance. Pour résumer, il y a encore beaucoup à faire et c'est très facile de se sentir submergé, mais en tant qu'entreprise, c'est une responsabilité que nous avons de prendre des mesures. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons avoir des engagements audacieux pour protéger la nature et engager tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde doit rendre des comptes. Mais nous devons travailler de concert. Ce faisant, en partageant nos connaissances, nos enseignements et en prenant des actions collectives, nous y arriverons. Il est de plus en plus évident que les approches intégrées dans le cadre de politiques et des normes et des principes d'incitation sont nécessaires pour garantir une production alimentaire durable. La prochaine vidéo du GIZ nous montrera le rôle et les responsabilités des différents acteurs pour deforestation-free supply chains. Un secteur alimentaire sans conversion et sans not only plants and animals, but also us humans. Déforestation. They are the basis of life for more than 1.6 billion people. Forests provide us with food, produce oxygen and regulate the climate. As a result, we have to protect them.
But the reality looks very different. Every 4 seconds, an area of forest the size of a soccer field vanishes from the earth. To satisfy increasing consumption, we're continuously cutting down trees. We use the areas to cultivate agricultural raw materials like soya, palm oil, rubber, cocoa, or coffee. Many governments and companies have already realized that we cannot continue like this. They have committed themselves to setting up supply chains free of deforestation. Therefore, international agreements regarding this have already been reached, not least because consumers are becoming more aware of sustainable products. For this reason, companies that are now focusing on sustainability have a clear advantage. If you obtain your products in a retraceable and verifiably sustainable way, you don't have to worry about possible import barriers in the future. You can fulfill the increasing demand for sustainable products and improve your reputation through environment-friendly purchasing practices. Resource-conserving cultivation ensures these companies can fulfill their requirements for raw material in the long term. However, those who do not change to sustainable, deforestation-free production risk crop failures due to depleted soils and water shortages. With deforestation-free supply chains, we can prevent this. The participating parties first identify a suitable region in which the raw materials grow and where the forest is worth protecting. Then the parties agree on a collective approach towards forest conservation. Our aims are to improve the living conditions of farmers and their families by ensuring they receive a decent income. For example, by optimizing and diversifying cultivation methods for which we specifically train the farmers on site, and by setting up long-term supply relations. These will be transparent thanks to a traceability system. A monitoring system checks the progress of forest conservation. We're building deforestation-free supply chains together for a sustainable future. More information can be found at giz.de. Notre dernier conférencier est juste pour l'agence des forêts tropicales. Il va nous parler des actions les plus importantes selon lui et partager des exemples de meilleures pratiques. Bonjour Justin, merci beaucoup pour être ici présent avec nous pour ce sujet. Je vais me centrer sur la première question. Et que diriez-vous par rapport aux actions principales qui doivent se dérouler pour fermer cette déforestation? Hi Damien, good to be here. I think you c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Vous avez mis votre doigt sur le problème. Nous avons beaucoup d'engagements à prendre en 10 ans. Nous devons être transparents. Nous avons la révolution de la transparence qui va continuer. Et nous devons reconnaître comment apporter la transparence totale à cette chaîne d'approvisionnement. Nous devons avoir une transparence au niveau de l'impact par rapport à l'échelle de la changement climatique. Et nous devons pousser plus encore à ce point-là. Nous devons continuer à être centrés. Deuxième chose, nous devons commencer à nous centrer plus sur les millions d'agriculteurs qui offrent les actions. Les communautés les plus pauvres, nous voulions voir comment la dégradation de la forêt se poursuit, et voir quelles sont les options de la communauté, et ajouter une dimension sociale à cette critique, à cet espace environnemental. On ne peut pas travailler seul, et donc des partenariats publics et privés sont indispensables, et la société civile doit soutenir ces transitions. Nous avons de très bons exemples.
Mais ce n'est pas la norme, et c'est encore l'exception. Par rapport à ces grands exemples, quels sont les meilleurs exemples que nous pourrions rebondir dessus? Ce qui me donne une lueur d'espoir, c'est que nous sommes en voir des collaborations et des écoutes. Le Royaume-Uni est en train de diversifier sa présence. Nous avons nous devons voir ce qui peut sortir de tout cela et saisir les opportunités. Lorsque vous voyez des entreprises qui ne mais 20, pas 350 des sociétés principales, mais 20, entre 50 se rassemblent pour défendre cette forêt. Nous sommes en train de voir ce qu'ils sont en train de publier en termes de progrès qu'ils ont réalisé. Et on va voir maintenant où les acteurs du marché, le rôle qu'ils peuvent jouer. Certains progrès que nous avons vus, c'est au niveau des pays et des opportunités. Et nous devons voir la relation entre les communautés et la forêt. Mais il y a des raisons d'avoir de l'espoir, mais il y a encore beaucoup de travail à battre. Merci beaucoup, Justin. C'était un plaisir d'avoir parlé avec moi. Merci beaucoup de votre temps. Et je pense que nous n'avons plus de temps à notre disposition. Merci beaucoup. Merci, Damien. J'espère que vous avez apprécié cette session. Nous perdons encore 10 millions d'hectares de forêt annuellement, et nous devons restaurer ces écosystèmes. Les conférenciers sous les vidéos ont démontré ce qui doit être fait. Il y a beaucoup de solutions avec des outils et des guides. Je suis très reconnaissant envers Anna de Tesco qui a démontré l'importance de ces partenariats. Et à Justin de l'Alliance des forêts tropicales qui a souligner l'importance de ces approches et de la partenariat public-privé et d'appliquer les sociétés civiles au niveau des chaînes de distribution. Je pense que nous pouvons conclure en disant qu'il n'y a plus d'excuses maintenant pour l'inaction. Nous devons tourner la situation d'une décennie de mauvais objectifs of action and implementation. En des actions et dans leur mise en œuvre. Merci beaucoup. Hi everyone and welcome. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre session. Je suis Lee Winowicki, je suis une scientifique du terre, de la terre, et je travaille. Je suis extrêmement enchanté de vous voir ici pour cette session des plus importantes par rapport à la restauration des sols dégradés pour la production alimentaire. Comme vous le savez, c'est 25% de la du territoire mondial. Et donc cela permet de sortir beaucoup de gens de la pauvreté. La capacité du sol, nous devons le soigner pour pouvoir offrir de la biodiversité, des cultures et cette session va souligner les actions de restauration du niveau politique à leur mise en œuvre et à leur expansion. Nous avons deux conférenciers qui vont souligner cela et deux vidéos qui vont montrer les activités. Étant donné l'urgence de restaurer tout cela, commençons directement. Cette première vidéo montre les écosystèmes qui fonctionnent, qui a été filmé ici à Kenya, d'où je vous appelle. Vous pouvez voir comment la terre peut améliorer la sécurité alimentaire et la production. Regardons cette vidéo.
pour redresser les impacts environnementaux et la dégradation des terrains, pour améliorer la résilience du système alimentaire et la sécurité, la manière dont nous produisons les aliments doit changer pour récupérer l'équilibre. Pour parler plus de ce sujet et de l'urgence de restaurer ces terrains et de l'impact sur nos pratiques durables, j'aimerais inviter Tina Mutli, notre prochaine conférencière, secrétaire générale des Nations Unies, adjointe des Nations Unies, pour lutter la lutte contre la désertification. Chers amis, chers collègues, comment allons-nous alimenter une population en expansion constante? Nous le faisons en équilibrant nos relations avec les aliments et la nature. Notre système alimentaire actuel est basé sur le mythe de la croissance infinie. Nous consommons et nous gaspillons. Ces terrains de culture sont une grande distraction pour la nature et cela contribue à la crise mondiale. Si nous ne rééquilibrons pas notre système, nous allons avancer dans un plus grand problème. La productivité des forêts, des déserts et des prairies, ce qui veut dire que nous devons insister sur l'agriculture positive pour les engagements. 1 milliard d'hectares nous donne beaucoup d'espoir, mais cet engagement doit être traduit en action. Les pratiques génératives, l'agro-silviculture, la culture agroalimentaire et la gestion doivent être au centre du système alimentaire cette année. En soutenant les petits agriculteurs, nous pouvons réduire la pauvreté et la famine. Et nous pouvons créer de l'emploi, réduire le besoin de nouveaux terrains et la résilience par rapport au changement climatique. Nous pouvons donc appliquer ces mesures au niveau industriel et partager ces valeurs à moindre coût. Les communautés locales et les autochtones montrent souvent l'exemple au niveau de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, pardon. Nous devons les respecter et nous devons respecter leur sécurité. Nous devons être flexibles et voir les conditions. La demande pour des aliments et la consommation durable doivent être en phase avec cela. Mal gaspillé, est une perte au niveau de l'eau et de l'agriculture. Nous devons changer cela. Pourquoi est-ce qu'il est très important d'avoir ces investissements et des partenariats pour avoir un système alimentaire plus sûr? Ce faisant, nous allons ramener l'agriculture à ses valeurs et nous allons construire un futur plus sain et plus durable. Les écosystèmes, le changement climatique, les ressources naturelles, cela nous touche tous et toutes, y compris les agriculteurs et les pêcheurs. Nous allons maintenant aider ces communautés et voir l'importance de protéger et de gérer et de restaurer la nature pour soutenir la sécurité alimentaire et certaines pratiques que nous avons adoptées. Regardons cette vidéo de voix du terrain. Well, if we continue consuming as we are, we're actually going to exhaust our resources. We betalen allemaal overal ergens een prijs voor. En met de kennis van nu moet het anders. Porque isso aqui, se nós vamos pescar de qualquer maneira, amanhã os nossos filhos, os nossos netos, não há de ter sucesso. Não há de conhecer nada, só há de ver o mar, pelo menos a água, dizer, mas aqui o que vivia. Chaka jata, ndinakulola matumba 10 a 50 kg. Kuma chaka chino,
chukwa jone akuti mvula kuyambira 1 January kufika pa 25 January sina bwere imene ita ndipangise kuti ndikolole matumba awiri amene ndite aje kwa miezi iwiri สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมของฤดูกาลต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไป El cambio que hemos tenido es un cambio muy desfavorable. Por lo menos en época de verano, ya las conchas por falta de lluvia se comienzan a morir. Y realmente la situación del cambio climático está afectando mucho y estamos preocupados por el deterioro de la tierra. Necesitamos urgentemente buscar los medios de renovar la tierra. Ja, ik denk dat we vergeten om samen te werken met de natuur. Doordat alles een functie heeft, is het een groot risico als soorten uitsterven. Ik acredito que antes havia mais peixe. Mas agora há mais pescadores. Então, quando existem aquele tipo de rede que arrastam todo o peixe, aquele pequeno, prejudica-nos. É difícil. Porque estamos a ficar sem peixe. Então é preciso proteger. ผมคิดว่าต้องให้ความสำคัญกับการเกษตรหรือว่าการผลิตอาหารที่กลับมาฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ I grew up on a farm in Iowa and I understand how important it is that we understand how to use and manage the ecosystems in sustainable ways so that people can get the food and income they need to survive. This is the same every place in the world. O meu trabalho é de organizar ou sensibilizar o pescador, não utilizar artes nocivas, saber conhecer a espécie proibida, quando pelo menos pescam aquela espécie, poder devolver. Bueno, en estos momentos, los productores de cacao estamos tratando de trabajar lo que es la agricultura orgánica y además de eso estamos metiéndole muchos maderables a la finca para tratar de conservar no solo suelos, sino el aire y fijar suficiente carbono. Kijk, ik zie mezelf als rentmeester. Het idee is dat ik de aarde beter achterlaat als dat ik hem ontvangen heb als het ware. Dat is mijn doelstelling. Apenas con una manera en cada mi barracante como más en ir a lo futuro. Ik geloof dat niet alleen de agrarische sector, maar ik geloof dat de hele samenleving een ontzettende uitdaging heeft om ons voedselsysteem te veranderen. Maar het kan wel. I am so pleased to introduce our next speaker and my friend. Je suis tellement enchanté de vous présenter mon ami et le prochain conférencier, Patricia Cambo. Elle est une héroïne pour les Nations Unies. Et on va pouvoir Top 35 under 35 in the environment category. Leur récompense pour le Kenya dans cette catégorie. Elle va partager avec nous des solutions pour la restauration sur le terrain et elle va souligner l'importance de la participation des communautés dans cette procédure. Je suis Patricia Kombo, je suis bien du Kenya. Je suis de l'UNCCD. Je vais parler de l'engagement de la communauté et de la place des communautés et de la promotion des pratiques agricoles saines et durables. Nous allons parler avec l'éducation environnementale, l'alphabétisme environnemental et l'utilisation des terrains et des emplois basés sur le terrain. Notre modèle clé est de travailler avec les communautés parce que quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive, la communauté doit occuper une place centrale pour assurer la gestion de ces terres, la restauration, parce qu'ils sont les protecteurs de la nature. With Patri, what we are trying to do, our main question is what, where, and why. And that's why we are raising a generation that first appreciates nature, understands nature, a generation that is confident, and a generation that is equipped with the 21st centuries to
to transit in the green jobs and transiter circular economy. And secondly, au niveau de l'énergie, de l'économie verte et des emplois verts, we promote a solution that is cost et nous sommes en train de that does not require a lot of cost to the communities, and that's why we are working on recycling readily available. Nous sommes en train de travailler sur le recyclage. Indigenous trees and by growing fruit trees because we want to add value to the community. Nous aimerions ajouter de la valeur à la communauté. Because they can have food, medicine, and nature at the same time. Ils avoir des aliments, des médicaments et la nature. Secondly, we are putting communities at the center. Nous sommes en train de mettre les communautés au centre de notre mise en œuvre en les écoutant et en leur permettant de nous parler pour comprendre pourquoi ils font ce type de gestion. Et nous sommes en confiance parce que nous partageons des pratiques avec eux et en parlant avec eux, nous sommes en train de partager avec eux les bénéfices et de tenter de partager avec eux les pratiques. Nous n'exposons aucune communauté qui n'apprécie pas la nature. Et c'est pour cela que nous travaillons pour changer leur point de vue. Il y a beaucoup d'opportunités que nous pouvons prendre en leur montrant leur place dans l'économie. Just conservation and also using land and other natural resources. Utiliser la terre et les autres ressources de manière durable. Nous pensons que environmental education is like a bird without feathers. So in all what we do, community sans éduquer avant, et bien c'est comme un oiseau sans plume. Nous devons our key role in ensuring toujours éduquer towards land and show the positive impact et montrer l'impact positif que le terrain et que la nature a sur eux. Merci beaucoup. J'aimerais remercier encore une fois vous remercier tous qui nous avez rejoints à cette session. J'aimerais conclure en lançant quatre messages clés. Tout d'abord, j'espère que ce sera le message que nous avons tous, nous allons pouvoir nous pouvons améliorer la santé du sol. Les investissements sont requis, pas seulement au niveau aux objectifs des systèmes des Nations Unies. Nous avons des objectifs, mais nous devons atteindre et améliorer la nutrition et les aliments. Nous devons prendre des actions au niveau des systèmes pour surmonter les barrières économiques sur le terrain. Et quatrièmement, nous pouvons transformer ces mesures en décision. J'aimerais maintenant remercier les producteurs, le présentateur de cet événement et j'aimerais passer la parole au prochain modérateur. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette session sur la transformation de l'agriculture pour les personnes, la nature et le climat. Je suis Danish Dinesh et je suis le modérateur de cette session. Je travaille pour le CGI, le prochain projet de recherche sur la sécurité alimentaire. La raison pour laquelle nous avons cette session, c'est parce que beaucoup de ressources sont dépensées pour la conservation de l'agriculture. Et par rapport à l'agriculture durable, l'intensification, nous pensons qu'entre 50 et 70 milliards de dollars sont dépensés sur la régénération de l'agriculture, seulement au niveau du Sud. C'est beaucoup d'argent, mais 7% seulement vont sont destinés à des objectifs de changement climatique et de protection de l'environnement. Nous savons qu'il y a beaucoup de diversité et c'est un coût important pour nous. Et en ces circonstances, on ne dépense pas encore assez d'argent centré sur la régénération de l'environnement pour mettre à mal ces défis. Nous allons donc voir comment nous pouvons changer les paradigmes.
Je vais vous montrer deux exemples d'innovation sur le terrain, aux Philippines et en Inde, de WWF, pour réduire le gaspillage des aliments. Vous allez voir comment ces innovations peuvent fonctionner. Et donc, vous allez voir la vision pour mettre ces innovations en place. Et je vais maintenant céder la parole au prochain conférencier. Bonjour, je suis Adinak Kakotar, coordinateur du programme de la WWF de l'Inde. Je vais présenter un projet qui est créer une technologie mobile. L'objectif principal est d'améliorer les moyens d'existence des pêcheurs en optimisant la valeur et en promouvant des pêches durables. L'artisanal est un secteur désorganisé. Il n'y a pas de gestion de prix adéquat et il y a beaucoup de pertes dues à l'analphabétisme. Il y a des gens courants qui ont des impacts sur les revenus des pêcheurs. Il y a un marché direct qui est requis où les pêcheurs pourraient vendre directement aux consommateurs et l'adoption d'un smartphone est coûteuse en Inde, donc une app n'est pas la solution idéale. Nous avons donc développé deux solutions basées sur les apps. Il y a le Fish Hub et le marché des poissons. C'est une petite démonstration avec les poissons qui ont différents poids. Vous pouvez choisir le nombre de poissons, la taille, le poids. Then they can also set the time and the on peut mettre l'heure et la date où ils ont été pêchés. Then there is also they can set ensuite, the place where they would meet the consumer, une place where the consumer can où ils vont rencontrer le fish consommateur et, le consommateur peut se rendre pour and aller rechercher son poisson. Ensuite, il y a une liste. Lorsque cette liste est créée, il y a une notification qui va au consommateur, à la fois du consommateur, pour pouvoir aller chercher ses poissons. Les bénéfices de cette solution, c'est la durabilité environnementale. Nous avons contrôlé la perte de poissons et le gaspillage. There's also less loss and wastage moins de of the fish. Pertes. The fishers can get poissons, together and les pêcheurs peuvent se rassembler et mettre des prix sur les poissons. There's some level of sans intermédiaire. Because they enter the location from where the fish was caught. And because the fish was locally caught and sold, les pêcheurs travaillent localement. The fish which is consumed. And et donc il y a une traçabilité qui est possible. Freshly caught sustainable fish. There's et also donc, this eventually leads to the increase in the income of the artisanal fishers. Thank you very much. Et une augmentation des revenus pour les pêcheurs. Merci beaucoup. WWF pour les Philippines s'est engagé au niveau du secteur d'hospitalité pour éviter les pertes. WWF to reduce their food waste at source, d'autonomiser ces employés pour explorer les possibilités de se nourrir et éviter les pertes. Composting is the natural process of decomposing organic matter with the use of microorganisms. Et donc nous avons des micro-organismes qui permettent d'irriguer les cultures. A rich source of organic matter et donc nous avons une riche source augmente la santé des sols. Le compost est un défi parce qu'il demande beaucoup de temps et d'espace. Et bien souvent, ces endroits ne peuvent pas être mis en place. L'assainissement et l'hygiène, le contrôle des aliments et les dépenses irrégulières sont problématiques. These concerns by teaming up with Green Space, a company solely focused on food waste composting. Nous together, we developed a mobile app called SoilMate.
which aims to grant residents and businesses easy access to bokashi composting and a centralized food waste collection system. SoilMate offers a smart management solution that allows users to greenly manage their food waste through different composting subscription plans, hassle-free Boka Bucket exchange, easy account monitoring, and food waste generation and GHG avoidance tracking. Moreover, app users can opt to donate their earned compost and vegetable bags to the partner communities of urban green communes and garden beneficiaries from food community. Leur compost à différentes communautés. Cette application est disponible dans l'App Store et Google Play Store aux Philippines. Thank you for this really fascinating experience from India, ces expériences fascinantes d'Inde et des Philippines pour réduire les déchets alimentaires. Maintenant, nous allons donner la parole à Lisa Sweet, qui est à la tête et qui travaille pour le World Economic Forum. Elle va parler d'une plateforme multipartite pour faire en sorte que les innovations telles que celles que nous avons vues soit accessible par 100 millions d'agriculteurs. Merci beaucoup de m'avoir l'opportunité de parler à tout le monde. Vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'efforts en matière de production alimentaire, la conversion et la dégradation, la restauration des sols. Et plus tard, nous entendrons très plus sur les progrès à faire en matière de paysage. Nous pensons que les systèmes alimentaires et le secteur agricole sont essentiels et les changements sont essentiels, notamment dans certains secteurs clés. J'aimerais parler notamment de ce qu'Ariane a dit au début de cette réunion. Pour revenir sur ce qu'elle a dit, il faut reconnaître que les agriculteurs sont les protecteurs et les gens qui pourront garantir les systèmes alimentaires sur un avenir. Et nous avons créé la plateforme 100 millions d'agriculteurs qui vise un système alimentaire net zéro en remettant les agriculteurs au centre de l'écosystème et de la conception des systèmes. Nous voulons une action collaborative pour éviter de travailler en silo sur les agendas alimentaires et naturels et environnementaux, avec une action multipartite au niveau national et régional, avec des réponses adaptées aux besoins des agriculteurs dans différents pays et régions. Cette modalité plateforme, 100 millions d'agriculteurs, vise à offrir un soutien pour améliorer les pratiques afin qu'elles soient smart et net zéro. Pourquoi 100 millions? Eh bien, parce que nous pensons que 100 millions d'agriculteurs, c'est exactement le nombre de personnes dont nous avons besoin pour créer cette transition avec un changement à grande échelle. Tout cela doit commencer par les agriculteurs. À nouveau, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la plateforme 100 millions d'agriculteurs. Nous avons hâte de travailler avec tout le monde quand nous allons intégrer ces efforts pour ces changements si essentiels pour notre monde à l'heure actuelle. Je vous rends la parole, Danesh. Merci, Lisa, pour cet argumentaire intéressant sur les innovations de nature positive, net zéro et cette plateforme 100 millions d'agriculteurs. Si nous voulons atteindre ces objectifs, nous devons être ambitieux. Alors, quelle est la prochaine étape? Eh bien, j'aimerais vous parler de la COP26, la conférence des parties, qui va se tenir
à Glasgow dans quelques mois, ou plutôt dans un mois. C'est une opportunité sans précédent pour faire en sorte que l'innovation dans le secteur agricole prenne forme avec d'autres secteurs. Nous devons gagner le combat contre le changement climatique. Alors, que pouvons-nous faire? Il y a une campagne sur la transformation de l'innovation dans l'agriculture pour la nature, les gens et l'environnement. CCAPS is a co-chair and secretariat of CCAPS. So we have an incredible opportunity there. C'est engagé dans cette campagne. Il y a une opportunité improbable, importante plutôt. Tout d'abord, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons investir plus dans l'agriculture pour des résultats qui soient au service de la nature, des gens et du climat. Deuxièmement, au vu des investissements qu'il y a déjà dans le secteur agricole, plutôt nous voulons de rediriger ce financement, 7% uniquement de ces investissements vers des actions climatiques, environnementales. Nous voulons augmenter cette part des subventions afin que nos actions soient en ligne avec la perte de la biodiversité et les impacts du changement climatique. Par ailleurs, on a vu aujourd'hui de nombreuses innovations. Nous devons les mettre à l'échelle. Et donc, nous essayons de trouver de nouveaux et meilleurs modèles pour mettre à l'échelle, avec une échelle qui soit essentielle et assez importante pour avoir un impact sur le combat contre le changement climatique. Et enfin, nous essayons d'avoir un dialogue inclusif avec tous les acteurs du secteur agricole sur différents sujets pour que nous trouvions un consensus sur les enjeux critiques pour transformer les innovations dans l'agriculture. Donc, je vous enjoins de joindre nos efforts à la COP26 et de vous joindre à nous dans nos efforts. Je m'appelle Melissa Ho, senior vice-président de Freshwater and Food WWF États-Unis. Bienvenue à cette section sur les paysages, le niveau national et régional. Nous allons parler de nos valeurs, de nos relations. À l'heure actuelle, les systèmes alimentaires sont très déconnectés de la manière dont nous produisons et mangeons la nourriture. Notre relation avec la nature est plus extractive que régénérative, mais des communautés partout dans le monde nous montrent comment nous pouvons protéger, gérer et restaurer la nature. Grâce à une transformation des systèmes alimentaires, en exploitant notre relation à l'alimentation et en soutenant les communautés locales pour qu'elles gèrent mieux leurs ressources naturelles et les paysages qui soutiennent une production alimentaire et les saines et les moyens de subsistance. Nous allons entendre différents orateurs du Kyrgyzstan, de la Bolivie, de la Malaisie. On va voir comment on arrive à de bons résultats lorsque les gens se reconnectent à la nature et lorsqu'on gère bien les paysages et la nature et l'environnement. Samuel Sangüesa, qui travaille chez WWF en Bolivie, va nous parler de son travail au sein d'une communauté sur la connexion entre l'eau et la nourriture. Bonjour, je suis ravie de faire partie de cette initiative cette année et notamment d'avoir été invitée à cette session particulière. Pourquoi est-ce que moi je suis inquiète? C'est parce que d'ici 1950, on va avoir 10 millions de personnes sur la Terre, ce qui est beaucoup plus que ce que nous avons à l'heure actuelle. On a de plus en plus de gens sur la planète, ça n'est pas un souci, sauf que notre avenir est conditionné aux limites de la planète, comme nous le savons. Les humains poussent la planète à ses limites, et ce qui est très problématique pour le climat, la nature, l'eau, entre autres. Bringing it down to earth, ramener les choses sur terre. C'est une campagne de WWF. Nous avons la plupart des terres agricoles sont en fait utilisées pour nourrir des animaux. Et nous devons mieux gérer nos paysages. C'est un essentiel pour nous attaquer aux différents défis à l'alimentation, le climat et l'environnement. Je travaille sur ces sujets en Bolivie.
et nous avons une approche qui permet de protéger les paysages dans le département de Santa Cruz, qui est non loin de la frontière du Paraguay et du Brésil, avec 9 millions d'hectares d'unités protégées entre les zones protégées et les terres autochtones. Ce sont des terres de connectivité écosystémique. Et il y a plusieurs initiatives, notamment des zones que nous protégeons, des zones qui sont très vulnérables aux incendies, souvent des incendies qui sont durs à contrôler et qui ont un impact sur l'eau et la biodiversité. Et il faut une approche régénérative connectée avec les marchés locaux pour générer un revenu, une reconnaissance, éviter la déforestation également. C'était un exemple qui voulait vous montrer, qui visait à vous montrer qu'en utilisant les ressources locales plutôt et qu'on s'appuyait sur les différents acteurs, on peut avoir des résultats positifs sur les questions biodiversité, alimentaire et naturelle. Nous pensons que ce type d'approche est essentiel pour la vie, la planète. Merci. Prochaine oratrice, Wizan Little Egg. Autochtone, une femme autochtone de la tribu Rosebud Sioux, et elle travaille au Sud Dakota. Elle est directrice exécutive de la corporation du développement économique de Rosebud. Wizipan Little Elk a invité le WWF à les aider à faire revenir les bisons sur leur terre. After an absence of nearly 140 years. Après plus de 140 ans d'absence, il y a des opportunités pour sauver notre terre. Les bisons sont une espèce essentielle pour nous. Lorsqu'on les ramène dans leurs écosystèmes originels, les écosystèmes se régénèrent, cela améliore la biodiversité. On voit que la captation de carbone est augmentée, mais également cela présente des opportunités économiques puisque cela crée des emplois. Il s'agit d'une opportunité de ne pas s'apesantir sur le passé, mais de le reconnaître et d'avancer avec une nouvelle vision et une nouvelle lumière pour un avenir qui soit plus sain pour nos peuples, nos régions et notre planète. C'est un bon exemple non seulement pour les autres peuples autochtones, mais pour le monde entier. Inspirez-vous de ça. Regardez, nous faisons quelque chose de vraiment chouette de ce qu'on fait au Sud Dakota, et c'est quelque chose qui est possible de faire dans d'autres territoires. La résurgence et l'émergence des bisons, ainsi que la résurgence et l'émergence des peuples autochtones, et l'opportunité et l'espoir, et l'idée que nous pouvons avoir de meilleurs jours à l'avenir, eh bien, cela va de pair. Nous allons maintenant avoir un autre exemple de la Malaisie. Un programme Living Landscape fait de la protection, de la restauration et du développement durable pour produire de l'huile de palme durable avec une approche durable et respectueuse de l'environnement. However, economic development has greatly affected the protection of Sabah's biodiversity. There is a need to find a middle ground between biodiversity conservation and economic development through an integrated landscape planning, creating a living landscape. The living landscape concept is so simple. It teaches us how to share and, most importantly, how to have control on development. Achieving and maintaining a delicate balance between economic development and protecting our forest and its inhabitants. It is about conservation at landscape level,
where we affect change via protecting and managing our forests, supporting sustainable certification of oil palm, as well as restoring forests by developing wildlife corridors. These three areas, which we refer to as pillars, all happen within one landscape. Over the next 5 years, the Sabah Landscapes Program will work on three landscapes: Tawau, Tabin, and Lower Subud. This comprises over 1 million hectares. The program will adopt three pillars: protect, produce, and restore. Through Protect, the program aims to support the government's commitments to forests to ensure that existing forests are not destroyed and degraded. Through Produce, the program aims to achieve this commitment through group certification within a landscape, particularly working with smallholders and middle growers. Still, many plantations cut through forests used by wildlife such as the Bornean elephant. This increases incidences of human-wildlife conflict. Restoring habitats and creating ecological corridors can help reduce this conflict. In the next 5 years, the Sabah Landscapes Program will aim to effect change via its three pillars: protect, produce, and restore, for the benefit of nature and people. It is up to us. Following this great example in Malaysia, pour suivre cet exemple de la Malaisie, je vais donner la parole à notre orateur du Kyrgyzstan qui travaille sur l'écologie, le développement régional et les ressources hydriques. On va avoir un exemple du Kyrgyzstan où il développe un district biologique. Биокейжи органикалык кыймылы пайда болуп, ошол кыймылдын арасын алдында көптөгөн биздин дыйкандар баш кошуп, биригишип, бүгүнкү күндө алардын саны ишканаларда айтсак, бул аймактарда айтсак бир 12ден ашыгыраак негизги мындай экспортко чыгарып аткан органикалык бул фермердик ишканалар бир чоңдору, бул жетөө болуп саналат. Окуган дыйкандар бизде 1000ден ашты. Бүгүнкү күндө иштеткен территориясы 3,500 гектарга чамалап калды. Органикалык аймак Кыргыз Республикасында бул негизинен айыл-айыл жерлеринде, кичинекей аймактарда жайгашып жатат. Келечекте ушул биздин оюбуз, максатыбыз ушул Кыргызстандын көпчүлүк территориясын ушул органикалык аймакка айландырып, ошол жерден органикалык, экологиялык таза продуктуну өндүргөнгө аракеттенип жатабыз. Бул багытта биздин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети өкмөт менен биргеликте 2018-жылы органикалык айыл чарба өндүрүшү мыйзамын, органикалык айыл чарба мыйзамын кабыл алып бердик. Ушунун негизинде азыр бир канча тепкичтер менен алдыга жылып келатабыз. Жакынкы айларда улуттук органикалык стандарттагы айыл чарба министрлигинде, ушул органика департаментинин тарабынан иштелип чыкты. Бул бизге эмне берет? Бул бизге өзүбүздүн стандарттарды иштеп чыкканга. Эгер биз бул сертификат, бул стандартты улуттук стандарт менен айкалыштырып жиберсек, булардын баасы дагы кымбат болот. Дыйкандарыбызга дагы, элибизге дагы, экологиябызга дагы, ландшафтыбызга дагы өтө бир жакшы жетишкендиктер болот деп ишенип турабыз. Буюрса, органикалык айыл чарбасы Кыргызстанда өнүгөт. Бул органикалык кыймылдын өзүнчө ассоциация бар, азыр федерация түзүлүп, BOKG органикалык кыймыл федерациясы жакшы иштерди алып барып атат. Ошон менен биргеликте биздин айыл чарба департаментинде чоң органикалык айыл чарбасы департамент түзүлүп, жакшы иштерди алып барып жатышат. Буюрса, биздин мамлекетте ушул органикага, экологияга өтө көңүл бурулар болуп атат. Биз улуттук өнүгүү стратегиябызга дагы 2018-2040 дагы ушул органикалык, экологиялык продуктыларды өндүрүү боюнча стратегия дагы камсыз кылып кеттик.
To accelerate the transformation of our food systems, there's an urgency for improved collaboration. De nos systèmes alimentaires, il y a une urgence d'améliorer la collaboration multipartite. Notre dernière oratrice, c'est Liz, at the UNDP Green Commodities Program. Qui travaille au CNUD. Je m'appelle Liz Melvin, je travaille au CNUD dans le programme Green Commodities pour la collaboration multipartite. Comme on l'a entendu au cours de ce programme, beaucoup de ce sur quoi nous avons travaillé sont des systèmes alimentaires. Ces systèmes alimentaires sont complexes par essence. Et nous vivons dans un monde où les solutions technologiques, elles existent. Nous savons quoi faire, nous avons des solutions. Et donc, nous savons et nous pensons également que lorsque nous collaborons et nous nous concentrons surtout sur l'engagement des acteurs et la collaboration, simplement, ce que, dont nous nous sommes rendus compte et ce que nous voyons à l'heure actuelle, c'est que la collaboration une couche supplémentaire et qu'on ne s'y penche pas assez. L'une des choses qui nous paraît essentielle pour la transformation des paysages et des systèmes alimentaires à différents niveaux, c'est qu'il faut se concentrer sur le comment. Et donc, cela veut dire qu'on doit remettre les gens aussi au cœur de ces systèmes et de ces changements. Comme Hakim Steiner l'a dit, on doit changer les gens qui gèrent les systèmes et pas les systèmes. Donc, vous savez, vous êtes déjà allé à des réunions, on a toujours les mêmes personnes qui se lèvent et qui montrent leur présentation. Et les gens, ils sont sur leur téléphone et ils n'interagissent pas. Même si c'est une présentation extrêmement bien sophistiquée, etc. Alors qu'il y a des sections, où on peut co-créer et contribuer, c'est ça qui fonctionne. Cette semaine, on lance au CNUD un guide pour l'action collaborative. Et on a identifié 4 pratiques clés qui sont essentielles pour inclure les différents acteurs. Tout d'abord, il faut créer une capacité de leadership. Et pour travailler avec le pouvoir, et nous savons que dans le système, il y a des éléments de pouvoir, il ne faut pas l'ignorer, c'est comme ça que ça va pouvoir changer. Travailler également sur la résolution de conflits pour éviter de se retrouver coincé ou embourbé. La communication efficace également, il s'agit d'écouter autant que possible, mais également de parler. Donc, nous pensons que ces pratiques sont la clé des processus collaboratifs réussis. Par ailleurs, lorsque l'on collabore, on arrive à créer un groupe qui comprend les complexités des systèmes que nous essayons de changer. Et lorsqu'on comprend ces systèmes, on adopte différentes visions sur la manière dont les systèmes fonctionnent et dont ils doivent fonctionner. Et ce sont autant d'opportunités de changer notre état d'esprit et nos systèmes à l'avenir. Nous savons que comprendre les systèmes de manière collective, c'est quelque chose qui doit se faire avant de commencer à essayer de trouver de bonnes solutions pour changer des systèmes, si on ne les a pas bien compris, pour créer des systèmes durables. Quel bel exemple, une vision et une action pour la transformation des systèmes alimentaires, pour améliorer et pérenniser les paysages. A key theme across them all is that community ownership and management of their own natural resources. L'adoption par les communautés dans la gestion durable des ressources est essentielle pour être plus robuste et plus résilient à l'avenir. Chaque histoire est très spécifique et dépend d'un contexte, mais il faut inclure les différents acteurs. Il faut des solutions à l'échelle, mais pour cela, il faut écouter toutes les voix, les autochtones, les communautés locales, les agriculteurs et partager notre expérience. Je suis vraiment inspirée par tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et j'ai à nouveau espoir que le changement est en train de se faire sur le terrain. Ces exemples doivent nous inspirer toutes et tous à faire plus pour créer ces changements à tous les niveaux du secteur agricole. Je vous remercie. Policy often
Les politiques dictent souvent les impacts, que ce soit avec des incitations ou autres. Il est par conséquent essentiel que les dirigeants du monde soient ambitieux et créent la voie pour la transformation du système alimentaire. Cela doit découler au niveau régional et municipal. Cependant, il y a de nombreux autres acteurs dans toute la chaîne du secteur alimentaire qui sont tout aussi importants. Nos pêcheurs, nos agriculteurs et nos autres producteurs alimentaires, ce sont les pierres angulaires des systèmes alimentaires et en cela, ils sont les gardiens du climat et de la nature. Nous devons avoir une approche sociétale pour créer des solutions et fédérer différents niveaux de gouvernance et différents groupes de personnes pour assurer une gestion des pouvoirs et éviter les conflits d'intérêts. Je vais demander à Joao Shunkatala et Emmanuel de se joindre à moi. Shunkatala, comment est-ce que l'économie bleue et verte peut améliorer la résilience et de l'alimentation? Comment est-ce qu'on peut mettre cela en intégrer cela aux stratégies politiques et gouvernementales. Bonjour et merci de m'avoir invité pour cet événement. Aquatic foods, caught and harvested in waters, offer unmatched. La nourriture aquatique est une vraie solution pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable. De nombreux pays à faible revenu peuvent bénéficier de la nourriture aquatique avec la pêche. Ça améliore la culture et la nutrition. La nourriture aquatique est un super aliment qui peut aider les problèmes de malnutrition. Les nutriments de cette nourriture aquatique est incroyable. Cela réduit les acides saturés, les gras saturés plutôt, et permet de combattre différentes formes de malnutrition et maladies connexes. Les systèmes alimentaires aquatiques sont très nutritifs. Si on compare à d'autres secteurs, l'impact environnemental est bien plus bas que d'autres systèmes alimentaires basés sur les animaux terrestres, les systèmes aquatiques, marines, maritimes. L'aquaculture emploie beaucoup de travailleurs vulnérables, dont des jeunes, des femmes et des autochtones. Donc, si nous augmentons la production et la consommation de produits aquatiques, qui sont des aliments très nutritifs, on fera baisser l'empreinte environnementale de notre production alimentaire. Et si l'on baisse les déchets alimentaires, et bien, nous pourrons améliorer la situation, notamment des femmes, comme je l'ai dit. On le voit, nous pouvons augmenter la production aquatique partout en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On voit bien également que les investissements et les politiques peuvent nous mettre sur la bonne voie vers des régimes alimentaires plus nutritifs pour les populations. Même si la demande pour la nutrition aquatique augmente partout dans le monde, on le voit. Beaucoup de femmes et jeunes ne mangent pas assez pour avoir les bénéfices nutritifs de cette nourriture. Si on regarde dans les schémas de consommation, l'alimentation aquatique et les produits aquatiques qui sont nutritifs, sains, acceptables, accessibles et abordables. Si on regarde les politiques alimentaires, ignorent la nourriture aquatique
Et comme je l'ai dit, la nourriture aquatique est l'essence de l'appel à la transformation des systèmes alimentaires pour des peuples sains et des régimes durables. Si l'on regarde maintenant les plateformes que nous avons à l'heure actuelle, la plateforme 2021 pour les systèmes alimentaires, la COP26, la conférence de l'ONU sur la biodiversité, on a des arènes. On peut faire entendre notre voix et parler de l'alimentation aquatique et sensibiliser les gens. Si on arrivait à intégrer la transformation de l'alimentation aquatique dans les politiques, on devrait également lier ces politiques aquatiques et vice-versa. De nouvelles études montrent que certains gouvernements priorisent de plus en plus la nourriture aquatique pour nourrir leur pays. Mais on doit en faire plus. Si l'on se penche sur différents principes directeurs alimentaires dans le monde, on voit que le poisson n'est pas très bien représenté dans la plupart des pays. Et il y a des recommandations pour lier à l'alimentation aquatique, pas uniquement les poissons. Si nous garantissons que l'alimentation aquatique a un rôle important à prendre dans les politiques, dans les investissements, alors on pourra capter leur potentiel entier pour atteindre différents objectifs de l'agenda du développement durable. J'aimerais vous donner un exemple de dans l'état de l'Odisha. Odisha a priorisé la nourriture aquatique pour sa santé et pour son alimentation. Cela a révolutionné le combat contre la malnutrition puisqu'ils ont inclus le poisson dans les programmes d'alimentation pour les femmes et les enfants. Ce sont des types d'initiatives comme celle-ci qui peuvent créer ce lien avec les politiques et engendrer une transition. Le secteur privé a été impliqué énormément pour la préparation du sommet avec des engagements. Très bon. Comment les transformer en action? La principale zone de la transformation est, ça me donne de l'espoir, parce que c'est l'engagement, parce que c'est un impératif pour les entreprises, afin de protéger la productivité, le changement climatique, restaurer le sol et améliorer le sol. Mais tout va venir naturellement. Et je suis confiant que les pratiques de synchronisation de carbone vont venir d'elles-mêmes et que nous avons encore besoin de plusieurs. D'un grand coup de main pour les agricultures restauratives. Et c'est un système en risque, surtout au niveau du changement climatique. Nous devons utiliser des semences locales et donc nous devons avoir une transformation de notre vision du secteur alimentaire à l'université. C'est expérimental, mais ça se doit parce que nous devons changer les réglementations pour voir ce que la nature a pour nous. Mais donc, nous avons beaucoup plus d'actions collectives où les agriculteurs, les fermes, les sols seront au centre. Et nous verrons beaucoup plus de parties qui vont reconnaître le droit que c'est une reproduction pour beaucoup de nombreux. Cela peut prendre du temps. Nous avons entendu répéter par rapport à placer les agriculteurs au centre de cette transformation du secteur alimentaire. Nous devons nous assurer que notre système alimentaire sont équitables et inclusifs. Que pouvons-nous faire pour assurer la position centrale de ces producteurs? La magnitude de la crise depuis les années 70, la population de mammifères, de reptiles, de mammifères a chuté. Et 40% de nourriture est mal gaspillée ou perdue.
an equitable food system. Nous devons donc inclure des systèmes alimentaires inclusifs et durables. Which drive millions of farmers and people, rural people, into poverty and hunger. Nous devons éviter les systèmes qui vont provoquer la pauvreté des agriculteurs par la recherche publique et centrer dans une recherche sur les personnes. Et nous devons mettre des mesures politiques en place. That these levers and outcomes were created by public policy and thus can be reversed. Les mesures créées par le gouvernement sont mises en œuvre. Where society has reached a conclusion. Et où la société est arrivée à une conclusion. Ceux qui ont produit par good stewards of knowledge and don't require a place at the table. Le sol non doit être présent à la table des négociations. We need to ensure that when policy nous devons garantir également que les politiques sont mises en place et que les producteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, toutes les personnes soient parties des prenantes de l'organisme. Nous ne pouvons pas prendre décision sur eux sans eux. Je vais vous demander une question que je demande à tous mes conférenciers. Est-ce que vous pourriez nommer une ou deux actions concrètes pour le système de santé? Et en particulier, quels changements politiques sont requis? Et quel type de soutien ont-ils besoin? Nous devons garantir. Nous ne pouvons plus voir les systèmes sécuritaires alimentaires. Nous devons renforcer le lien entre les aliments, la nutrition, la recherche et la santé au niveau des mesures et des décisions d'investissement. Nous devons faire une transformation holistique des aliments, des terrains et des systèmes d'eau pour avoir un régime sain. Et pour que cela se produise, nous devons informer les politiciens pour qu'ils puissent formuler des politiques ad hoc. Si nous parlons des nombreux bénéfices de la nourriture marine, nous devons inclure cela dans au sens des besoins politiques. Les politiques d'acquisition publique doivent être mises en place pour le social, pour le filet de sécurité sociale, par exemple alimentation en école. Et ces programmes et ces politiques sont importants pour le nombre croissant de personnes pauvres et affamées. Suite à ce COVID-19, étant donné l'échelle et la vitesse à laquelle nous devons changer, nous avons besoin de soutien du gouvernement dans trois directions. La première, c'est que nous devons garantir que les mécanismes de prix sont mis en place et chercher de l'aide pour la restauration et changer les subsides agricoles de pesticides en des éléments biodivers et positifs et encourager les agriculteurs à le faire. Nous devons changer également au niveau de la réglementation alimentaire, ce qui n'est pas permis aux locaux, ce qui pourrait permettre aux agriculteurs de s'adapter rapidement et adapter rapidement leur modèle aux changements climatiques et pour leur climat et les conditions changeantes. Et le dernier, nous devons reconnecter et mettre en relation les aliments et le sentier agricole. Nous devons penser à la souveraineté alimentaire pour intégrer un système plus durable, plus sain. Ce sont les étapes principales pour l'avenir. Nous devons travailler de concert avec les gouvernements pour obtenir des systèmes alimentaires durables. Nous devons changer pour obtenir le succès et nous devons aider à réduire les effets du changement climatique pour leur production alimentaire. Ce ne se produit pas encore aujourd'hui.
parce que nous avons besoin de responsabilité et de reddition de comptes. Nous ne convaincons pas les personnes qui font les politiques, et c'est très difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de convaincre les législateurs de s'engager. Et donc, c'est très difficile de créer de la sensibilisation au niveau des personnes, mais également de fournir un espace politique pour les législateurs pour réaliser le changement. L'importance de la collectivisation à changer les exercices et les agences du système. Nous devons lancer un mouvement social entre les producteurs, les consommateurs et même les parties prenantes. Les entreprises ne sont pas seulement responsables envers leurs partenaires, mais à la société civile dans son sens large du terme. Nous devons agir et devenir des activistes. Le plus important, nous devons démanteler le pouvoir en place parce que nous avons une force plus sensible pour remplacer les structures de pouvoir comme nous le voyons maintenant. Nous sommes ouverts au dialogue où différentes personnes et différentes opinions doivent se mettre à table pour parler d'un meilleur futur. Et nous devons rétablir la conversation avec le reste des espèces. Nous voyons le travail que vous réalisez pour le bénéfice de la nature, du climat et des personnes. Et je pense que vous allez abandonner cette session aussi inspirée que moi. Nous devons accélérer le travail, le détailler, et nous devons l'agenda des aliments doit être intégré dans l'agenda nature et l'agenda du changement climatique. Ce ne sont pas des voies séparées et ça ne peut pas être résolu avec des solutions séparées. Nous devons intégrer des stratégies communes. Cela va prendre beaucoup d'énergie et d'engagement de notre part. Nous devons inviter les partenaires à se joindre à nous ce voyage. Et nous devons en comprendre les partenaires de la transformation alimentaire et les inviter à prendre des actions. Maintenant, nous devons être ambitieux et faisons-le. Merci.